Et ben voilà, coucou. Alors, qu'est-ce que ça va changer de voir ma tête ou pas? Hein? Ça va pas changer grand-chose, je ne pense pas. Moi, c'est toujours moi. J'ai pas voulu me montrer pendant un moment et je vais continuer encore un petit peu. Hein. Là, je vous montre que tout va bien. Enfin, tout va bien, à part la fatigue, hein, c'est tout. Mais j'ai rien de spécial, j'ai pas mes cheveux de teint, je les ai pas fait rouge, j'ai pas de boutons sur le nez, j'ai pas de rougeur, j'ai rien. Mais je n'avais pas envie de me montrer pour une certaine raison. J'ai mes raisons à moi. J'ai vu que ça vous ennuyait, même que j'ai vu que quelqu'un aujourd'hui s'est désabonné parce qu'il ne me voyait pas. Bah tant pis, hein. Ce qu'il faut regarder, c'est pas ma tête, c'est ce que je fais, je pense. C'est tout, hein. Bon, je vous dis pas ça méchamment, hein, il n'y a pas de souci. Je suis pas la mégère du coin, vous inquiétez pas. Mais je sais pas, ça vous a ennuyé que je ne montre pas ma tête. C'est quand même bizarre. Parce que je vois, il y a d'autres vidéos, bah, comme Kat, elle ne se montre pas. Kat ne montre pas sa tête et... Je pense que ça gêne personne. Je sais pas, je comprends pas. Donc bon bah c'est pas le sujet de la vidéo. Donc vous m'avez vu. Maintenant je vais vous basculer. Vous allez voir ce que je vais faire parce que j'ai cette carte-là. C'est la troisième que Coco a choisie, oui. Pour demain matin avec Caro et Coco. Voilà. Donc elle est toute simple. Alors là je vois pas où est la difficulté. Je ne sais pas trop comment la faire parce que je vois pas ce que je peux faire pour l'améliorer. Je vais voir. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire trois couleurs. Trois couleurs. Donc comme hier, j'étais à Action et j'ai acheté, vous savez, les papiers là, comme ça, les plus foncés, les plus clairs. Donc j'ai pris un rouge. Enfin, ça fait mauve, mais c'est rouge, rose et violet. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Pour faire l'étoile, j'ai sorti des fleurs comme ça. Et je vais voir pour mettre un décor parce que je trouve quand même que ça fait léger. Je trouve que ça fait léger, hein. Maintenant, je ne sais pas ce que Coco et Caro vont en penser, mais je trouve que ça fait un peu léger. Donc, je vais essayer d'en faire une, mais toute simple. Donc, je vais commencer. Alors, je vais vous plier. Je vais vous plier. Oui, je vais vous plier. Voilà, je vais vous baisser. Donc là, vous ne me voyez plus, hein, mais c'est toujours moi, c'est toujours ma voix. Donc, j'ai une feuille qui fait... combien j'avais dit qu'elle faisait, celle-ci? C'était marqué 21 cm. Donc, je vais la couper à 10... je ne vais pas la couper, je vais la plier à 10,5. Si ça fait bien 21. Oui. Donc, je vais la plier à 10,5. Et ça va me faire ma base. J'ai dit plier, pas couper. Voilà. Faire une petite carte comme ça. Pas plus grande que ça. Je vais couper deux morceaux. Alors, un rose et un violet. Alors, quelle grandeur? Alors, ça, si ça, ça fait 10,5 sur 14,5. Je préfère faire des grands morceaux. Hein. Je vais couper, admettons, je regarde mon modèle là. Je vais peut-être couper sur 7. 7 sur 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10. Allez hop, deux comme ça. Une en rose et une en mauve. Alors j'ai déjà coupé 7. Sur 10. Il n'y a pas de matage, il n'y a rien du tout. Je pourrais en faire un matage, mais... Bon, peut-être que... Non, je peux en faire. On va faire toute petite, là. On va mettre comme ça. Il faut une bande aussi, j'ai vu. Oh, ben, quelle couleur je vais la faire, la bande? 7 sur 10.
Oui, j'ai pas compris pourquoi. Je sais plus son nom. Excuse-moi si tu préfères voir ma tête. Mais c'est des. Elle me dit, oh, j'en ai marre de pas avoir votre tête. Je me désabonne. Ben voilà. Ben, écoutez. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Des fois, il faut mieux pas me montrer cette tête. Hein. Des fois, on n'est peut-être pas non plus, on n'est pas toujours montrable. Hein. Faut pas. Si je mets comme ça. Ou si je mets le violet avant. Non, je vais mettre le violet. Je vais mettre le rose. Comme ça. Il faut que je fasse la. Ça dépasse un peu comme ça. Je vais faire une bande rouge pour mettre entre les deux là. Ouais. Une fleur. Ça fait juste, hein, mais bon. Bah, écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Le modèle, il est comme ça, il est comme ça. Alors, je vais prendre une bande rouge. Ben non, oh ben ça j'en ai plus besoin de toute façon. Hop. Oui, je suis très patiente. Je vais la couper sur combien? Sur 2? Oui, 2 cm, c'est suffisant. Hein. Non, 2,5. Allez, ou 3. Allez, on va prendre 3. On verra après si ça. On va prendre 3. 3, 3, 3, 3. Sur 10,5. Oui, ça va d'un bout à bout, oui. 10,5. Hop. On va coller tout ça. Et après, on va voir pour faire une petite déco quand même, parce que je trouve que ça fait quand même juste, juste. Ouais. Allez, on va prendre de la colle. On va prendre du sapin. Vous savez, quand vous avez la tête fatiguée, vous n'avez pas toujours envie de vous montrer. Hein. Je sais, il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais pourquoi on ne voit plus ta tête? C'est parce que je suis toujours fatiguée, mais bon, voilà, je vous montre ma tête quand même. Hein. Je suis pas une sauvage. Mais bon, je ne vois pas ce que ça apporte. C'est le travail qu'on regarde, c'est pas la tête. Oh non, ça fait un peu trop large, ça, par contre. Ouais. Ça fait un peu trop large. Je vais couper à 2. Ça sera suffisant. Ben, ça me fait plaisir que vous me disiez, ben, on voit plus ta tête. Ça me fait quand même plaisir, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est que vous m'aimez bien. Alors, je vais mettre ça comme ça. J'aimais bien voir les petites vieilles. Façon, on est à peu près, il y en a beaucoup qui sont de mon âge. Enfin, on est à peu près dans les mêmes. Dans les mêmes années. Et ça, on va le mettre ici. Il faut que ça dépasse là. Ouais. On voit pas bien ma bande. Bon, bah écoutez, je vais le mettre quand même. Ouais, je suis pas trop inspirée par cette carte. Pas trop, mais bon. Ah, il en faut pour tous les goûts, hein, des simples, des moins simples, des. Ça dépasse un peu là-haut. Voilà. On va coller une petite fleur.
Est-ce que j'en mettrais pas deux des fois, l'une sur l'autre? Oui, mais là, ça va être de la même grandeur. Je cherche quand même qu'il y ait quelque chose. Pour ça. Je crois que des fois, il faut pas grand-chose pour faire une carte aussi. Hein. Des fois, c'est suffisant. On n'a pas besoin de mettre un tas de choses, des fois. Peut-être un peu plus petite celle-là pour mettre par-dessus, comme ça. Ah bah oui, ça peut peut-être le faire, ça. Ouais, bah je vais mettre ça. Alors, celle-là, elle est au-dessus. Elle est ici. Oh, ça fait un... Non, mais je vais la mettre là, moi. Ici, oui. Voilà. Et puis après, je vais regarder avec, dans mes stickers si j'ai pas quelque chose qui pourrait faire un petit peu joli quand même. Si je mets comme ça, ouais, ça va l'habiller un petit peu. Bon, ben voilà, on a encore été coupé avec tous les jours à la même heure. Hein. Et heureusement, j'ai levé la tête, j'ai vu que j'avais un écran noir, j'étais en train de coller cette petite fleur là. Donc voilà, j'ai collé cette fleur, donc ça me donne ça. En principe, la carte, elle est finie là. Elle est finie, elle est terminée. Mais j'ai envie de mettre... Alors, j'ai cherché dans ce livre que Coco m'avait fait envoyer, Botanica Ephemera, là. J'ai cherché quelque chose, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, ça, c'est pas mal. Mais alors, est-ce que je vais pouvoir le découper? Il y a beaucoup de petites choses. Je ne sais pas si je vais prendre ça ou si je vais prendre... Oh, il est où? Il doit être derrière moi. Bon, ben, je m'enlève. Hein. Comme d'habitude, je me relève. Parce que j'ai peur, là, il faut que je prenne le temps de découper. Je vais prendre celui qui est entamé, je ne sais pas où il est, mais de toute façon, comme celui-là, ça va être celui que j'ai acheté hier. Est-ce que je vais trouver quelque chose là-dedans qui pourrait m'aller? Je peux encore mettre des papillons. Et en ce moment, j'ai la folie des papillons en ce moment. Les papillons, les papillons, les papillons. Hein. Je peux encore mettre des papillons. Non, je vais peut-être mettre une fleur aussi. Là. C'est joli. Je sais pas. Il y en a plein des papillons. Là. Ils sont pas mal, ça va quand même. Hein. J'ai de quoi faire. J'ai tous les livres avec des papillons. Ça me plaisait bien parce que je disais, ça va... Mais pour arriver à découper ça... J'ai un doute. Lequel je pourrais prendre? Celui-là, il est dans les tons quand même. Hein. Alors, les antennes. Ouais. Non, ça va, c'est blanc. Il faut que je coupe autour ou alors que je mette du marron dessus. Je vais voir si ça. Ouais, c'est mieux. Voilà, ça par contre, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais faire un. Ah ouais, mais mon stylo, là, c'est... C'est que je vais l'avoir mis encore. Je sais que je vais avoir mis mon stylo. C'est pas possible. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Ah zut, c'est qu'il est. C'est que je vais l'avoir mis. C'est pas ma... Elle ne l'aurait pas embarqué quand même. Bon bah je vais prendre autre chose. J'en ai d'autres, mais c'est pas celui-là. Moi j'aimais bien mon stylo là. Ce qu'elle m'en a fait la manette là. Je pense qu'elle a dû l'embarquer, je sais pas. Parce que si je noircis comme ça.
Ça va pas le faire. Oh, quoique. Ouais. Je vais le marquer un petit peu plus. Mais je réfléchis toute seule, hein, là. Ouais, je vais quand même mettre un petit papillon, hein. Ouais. Non, mais j'allais faire. J'allais mettre de la colle. Vous voyez, là, oui. Ah non, c'est peut-être moi qui ai, pour le rendez-vous, je l'ai peut-être mis là-bas, mon stylo, je vois. Ça, mais il manque quelque chose. Il manque, ça me plaît pas des masses. Hein. Je trouve que, je sais, le modèle, il est tout simple, mais... On va mettre un éléphant. J'aurais pu mettre des fruits. C'est trop tard. Bon, bah écoutez, je vais le laisser comme ça. Hein. Parce que là, je vois pas ce que je peux mettre d'autre. Non, j'ai rien qui m'inspire pour. Et puis rien, l'odeur du papier. Oh, j'ai encore éternué à tous les coups. Oh, j'aurais pu mettre des fleurs comme ça. C'était joli, ça. Ouais. Même le papillon était plus joli que celui-là. Ah oui, mais maintenant, il va y avoir la colle de marquer. Hein. Ah non, pas trop. Donc, je vais me le garder. Bon, je vais le mettre là-dessus. Hop. Et celui-là me plaît beaucoup mieux. En espérant que ça cache. Si ça cache pas, j'en mets l'autre et puis voilà. Hein. Ouais, c'est bon, ça cache. L'autre me plaisait pas. Et il me plaît si, mais pas pour ce que je viens de faire. Voilà, bon, on voit pas trop la colle en dessous, puis elle va sécher de toute façon. Voilà, on va la camoufler comme on peut. Voilà. Ouais. Je préfère. Ouais. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas comment la décorer. Je cherche, mais. Bah, écoutez, je vais la laisser comme ça. Je vais juste mettre mon nom, Mamie Cole. Et hop. Hop. Alors, faut pas que je me trompe parce que. Attendez, que je regarde quelque chose. Oui. Parce que j'ai tamponné un truc et il est à l'envers, mon machin. Voilà, Mamie Cole. Voilà ma petite carte sketch du mercredi. Bon, toute simple. Hein, on ne va pas dire que on se prend pas la tête là. Voilà. Et puis, voilà, la petite carte sketch est faite. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous. Et vous inquiétez pas. Attendez, je vais me remontrer puisque vous voulez me voir. J'ai pas changé depuis tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai rien à vous raconter de plus, hein, puisque c'est le thème, c'est la carte sketch. Je vais pas vous raconter ma vie encore. Je vous l'ai assez raconté dans mon blabla de Action, que j'ai été à Action hier. Et puis voilà quoi. Donc, je vous fais un gros bisou. Et vous avez vu mon sourire? Un beau sourire, hein? Voilà, ça, c'est un sourire, mais alors, vous n'auriez pas de comme ça tous les jours. Et puis, je vous fais un gros bisou, comme d'habitude. Allez, gros bisous, à plus!